Buteau s'amène. Buteau tire, bloqué par le gardien de but Pelletier. Savoie qui va reprendre, passe de l'autre côté. Zanon tire. Quel arrêt de Pelletier dès le départ. Il vient de sauver un but alors que la rondelle est maintenant derrière le filet. Là. C'est Mainville qui a... Tout qu'un début de match de la Meute, là, Jean-Marc. Ils ont été frustrés par Zach Pelletier rapidement. Alors que Thomas Verdon avait une chance en or sur un 2 contre 1. Et déjà les partis... Il va d'un beau pivot, passe vers Rousseau. Finalement, c'est Perron qui va reprendre. Perron passe à Carruthers qui s'amène à 1 contre 1. Oublie le disque toutefois. Mais donne un bon coup d'épaule. Le tir et le but! Oh! Mathis Perron finalement qui a fait dévier ce tir. Ça a passé entre les jambières de Pelletier. Ça s'est passé très rapidement. La France. Perron fait uniquement dévier cette rondelle qui passe entre les jambières de Pelletier et les Huskies qui rouvrent la marque. Au-delà de ce but-là, Jean-Marc, on va se le dire, depuis le début du match, les bandes résonnent ici à l'Arena Glencore. À chaque fois qu'on a la chance de terminer une mise en échec, on le fait. On met vers Zanon à gauche. Zanon qui opère le disque, là, c'est Ligne qui le reprend. Attention, ça mène à 2 contre 1 chez les Olympiques. Là. C'est Boutin et Boissel. Boutin à droite à Boissel qui tire. Quel arrêt de Rousseau de la jambière! Oh, on vient de s'en tirer bien là, du côté des Huskies alors qu'on a perdu un... 8 minutes 28 à faire à la première période. Dufresne passe à gauche à Bourush. Bourush, belle feinte en entrée de territoire. Toujours Bourush. Tire le but! Daniel Bourush qui en marque tout un là-dessus. 2-0 pour les Huskies. Oui, c'est un premier but dans cette série. Avec 8 minutes 20 à faire. Alors que cet avantage numérique était plutôt difficile, eh bien, on en marque un but alors que... Justement, on s'en attendait peu, là. On vient de voir la reprise. Là. Quel effort de Bourush pour réussir à prendre le tir, parce qu'effectivement, on l'a complètement empêché de tirer. On voit qu'il est toujours là, face à Zanon. Finalement, c'est Boissel qui va reprendre. Boissel qui est durement mis en échec par Samuel Savoie. Verdon récupère. Envoie... Quelque chose, là. Un vrai train là-dessus. Et on sait à quel point Boissel est un joueur important pour les Olympiques dans cette série, là. Il est venu lui sonner les cloches. Verling. Ligne envoie à Ouellet. Ouellet vers Chaffé. Ça rentre dans le territoire des Huskies, mais c'est bloqué par Carr qui envoie derrière Eric. Carr va tenter de le déborder. Reprendre le disque à droite. Carr passe devant. Et but! Samuel Savoie qui marque son premier dans cette série. Et c'est 3-0 pour les Huskies. Oui, un premier but pour ça qui était dans les airs. Et justement qui se retrouve derrière Pelletier. Et là, à 3-0, alors qu'il reste 1 minute 13 en première période, là, ça va très bien pour les Huskies. On veut en terminer avec les Olympiques, la façon dont on joue en ce moment. Et les partisans sont gâtés ce soir. Boissel qui remporte la mise en jeu. Ça va permettre à Gauthier là, de récupérer. Et attention, remet devant, Dufresne tire. Et ça a été bloqué par Pelletier. Oh, elle a fait une erreur du côté des Olympiques. Je pense que c'est Gauthier. Offensif. Toujours Bourush qui freine. Remet la ligne bleue à Higgins. Higgins redonne à Bourush qui envoie Véro à Bourush qui tire le but! Daniel Bourush qui en marque un autre en avantage numérique. Et voilà, c'est 4-0 pour les Huskies. Et notre Biélorusse qui est à 4-0 comme ça, ce sera extrêmement difficile d'échapper cette rencontre. Les Huskies qui sont en plein contrôle. Ouais, ça a pris une petite passe vers Véro pour remettre à Bourush qui tire sur réception. Et effectivement, là, c'est... Brunel lui-même qui va récupérer au cercle gauche. Tente de laisser pour Verdon derrière. C'est Blais qui va récupérer. Le Blais intercepté par Verdon. Romain Brunel tire et le but! Et voilà un cinquième pour les Huskies. Benjamin Brunel qui marque sur une belle passe de Thomas Verdon. Et là, à 5-0, envoie tout un message et on commence à voir certains joueurs de Gatineau lâcher des grands soupirs, Jean-Marc. Là. J'ai l'impression que ça va être difficile là, la fin de match. Ouais, ben, faut pas oublier qu'il y a plus, il y a des joueurs dans cette équipe là, pour qui c'est le dernier match dans la. On est toujours en zone neutre. La branche qui finalement va réussir à entrer dans le territoire des Huskies. Là. C'est Perron finalement qui récupère. Perron s'amène à gauche. À Carruthers, à Perron devant seul et but. Mathis Perron qui marque son deuxième du match et en ajoute un sixième. C'est six. L'avantage numérique, le jeu à 5 contre 5. Tout le monde est à point ce soir. On est en train de réviser le jeu ici, Jean-Marc, mais honnêtement, il n'y a aucun doute, j'ai l'impression, à l'entrée de territoire, que c'était conforme. Moi, je pense qu'on attendait qu'il y ait un changement de gardien. On voit Bourush à Véro. Véro qui prend beaucoup de vitesse, là, essaie de déborder Dubois, toujours Véro. Véro contourne le filet et marque! Antonin Véro qui est comme un wrap-around en anglais, Jean-Sébastien. Et voilà, c'est encore quelques commentaires à ces joueurs. J'imagine dans le but d'être formateur, de comprendre ce qui se passe de l'autre côté.
comprends qu'on ne veut plus célébrer, mais moi, en tout cas, si j'étais un partisan des Huskies, j'aurais le goût de célébrer en ce moment. Ça n'a pas sorti du territoire. Là, c'est Gauthier qui maintient l'attaque. Mainville tente une passe devant qui touche un bâton. Finalement, retour et le but. Un tir de Gauthier, je crois, qui a dévié devant le filet et qui se retrouve au fond du but. Et on sentait vraiment que les Huskies avaient levé complètement la pédale. Troisième trio qui était sur la glace depuis un long moment n'avait plus beaucoup d'énergie. Plutôt, ça s'en va derrière le filet. Éric appuie l'attaque à gauche, tente un tir, bloqué devant, retour et le but. Parent qui en marque un deuxième. C'est maintenant 7-2 pour les Huskies avec 16-14 à jouer à la troisième période. Les Olympiques qui, eux, ne veulent pas retourner à la maison sous une défaite à sens unique. Donc, ceux-ci qui continuent en fait de travailler, n'en arrêtent pas. Et là-dessus, on a laissé Parent complètement seul. C'est maintenant qui reprend dans son territoire. 6 minutes à faire à ce match. 7-2 Rwanda. Dufresne passe devant lui à Carruthers. Carruthers, entrée de territoire. Il va d'un tir et le but! Leighton Carruthers qui surprend le gardien de but qui a une Hodgins d'un angle difficile. Et voilà un but ce soir avec un but, deux passes. En tout cas, du moins, il est rendu là avec 5-51 à faire. Un lancer foudroyant avec peu d'angle. Ouais, ben on connaît la qualité du tir hein, de Carruthers. Il n'y a pas de tout Rousseau qui est utilisé à la place de Turcotte également. Là, attention, c'est Lévesque qui a tenté ben, un Michigan pour terminer ce match-là. Ça a raté, là. C'est revenu vers l'enclave. Et attention, Lévesque, toutefois, remet devant et le but. C'est encore dévié, j'ai l'impression, sur un joueur. Et je pense que c'est Lévesque qui va être crédité de ce but-là. Un troisième, donc, pour les Olympiques. La même, j'ai l'impression, pour les Olympiques. Là, pas trop de célébration. Et je comprends aussi qu'à 8-3, n'a pas nécessairement envie de célébrer énormément. Est-ce que cette rondelle était rentrée ou est-ce que c'est quand Wold l'a remis dedans dans cette série? Donc, j'ai pas l'impression qu'il y avait vraiment de joueurs de l'édition de l'an dernier là, qui étaient de retour cette saison. On avait fait peau neuve du côté des Olympiques avec beaucoup d'agents libres, notamment, là, qui étaient arrivés, bien bâtis, bien débuté ces séries avec une victoire en 5 contre les Olympiques. Oui, absolument. Et on termine ça en force avec cette victoire qui, bon, finalement, s'est terminée 8-3, mais on sait que les Huskies ont pris les devants de 7-0 après deux périodes et c'était chose réglée. On a le temps d'y aller avec un sommaire du...